reste au moins 20 tours de carburant. Le réservoir est vide. Le cirque de la Formule 1 est arrivé dans le Sunshine State en Floride pour assister à de magnifiques couchers de soleil, profiter d'un somptueux climat tropical, mais surtout poursuivre toute l'action de la course sur l'autodrome international de Miami. Le circuit de Miami s'étend sur 5,4 km et serpente autour du Hard Rock Stadium. Ce sont 19 virages qui composent l'autodrome international de Miami et ces derniers mettront au défi les pilotes dans une course pleine de batailles roue contre roue. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Charles Leclerc part en pole position, suivi de Sergio Pérez. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Verstappen, Sainz, Ocon, Tsunoda, De Vries, une Aston Martin, Gasly, Bottas, Norris, Hamilton, Sargeant, Oscar Piastri, Magnussen, Stroll, Joe, Hülkenberg, Albon et George Russell, dernier sur la grille. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. C'est une nouvelle course qui débute et je vais avoir le plaisir de la commenter aux côtés de Jacques Villeneuve. Jacques, les pilotes ont une journée éprouvante qui les attend. Qu'allez-vous observer quand nous les verrons aborder le premier virage ? Le départ d'une course est toujours la partie la plus éprouvante pour les nerfs. On espère toujours que tout le monde réussira un départ propre. C'est probablement la partie la plus dangereuse d'une course, autant de pilotes dans un si petit espace. Le fait qu'il n'y ait pas plus d'accidents prouve bien le talent des pilotes. Maintenant qu'on a marqué des points, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On vise encore une arrivée dans le top 10. S'arrête sur ce tour, essaie de nous faire un beau chrono.
tu peux rentrer dans ce tour. Et c'est reparti, aucun problème avec cet arrêt, c'était très fluide et l'écurie Aston Martin a de quoi être contente. Reste éloigné de la ligne blanche à la sortie, on risque de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie. Ok, dernier tour jusqu'à la ligne. Voici l'écart avec notre coéquipier. 27,8 secondes. Drapeau jaune. Quelqu'un vient de sortir de la piste devant toi. Le drapeau jaune est un peu plus loin. Superbe course, vraiment superbe. Tu as bien mérité cette victoire. Et il l'a fait, il décroche une magnifique victoire sur l'autodrome international de Miami. Jacques Villeneuve, quelle victoire écrasante aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence? À mon avis, les qualités techniques des pilotes ont fait toute la différence. Combien y a-t-il eu de dépassements en tout? Nous devrions avoir cette information quelque part. Quoi qu'il en soit, on a assisté à un très beau spectacle. L'écurie Aston Martin peut être satisfaite de sa performance du jour et du résultat final. Encore une belle leçon de pilotage et de travail d'équipe. Une victoire bien méritée. Analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. Le leader actuel du championnat a dominé la course, s'assurant la victoire et creusant encore l'écart.